Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu, c'est au chapitre 17, du verset 1er au verset 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, qu'il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, lentement mais sûrement, l'Église se prépare à célébrer un grand mystère de foi. Le mystère de l'Assomption. Mardi prochain, 15 août, l'Église célébrera l'Assomption de Marie, élévation à la gloire du ciel de celle qui a porté le Fils de Dieu. C'est là qui, pérégrinante, marche en avant de toute l'Église pour montrer le chemin qui se traduit par une confiance encore en Dieu. Ainsi, l'Église disait déjà en son temps, au terme de sa vie terrestre, Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus, Mère de Dieu, a été élevée à la gloire du ciel. Alors, pour préparer cela, l'Église, au cœur de l'été, nous donne à admirer la blancheur du Seigneur, la splendeur de Dieu, le mystère de la transfiguration. L'histoire, c'est que Jésus prend avec lui des disciples. Il a choisi, il a trié quand même, il a choisi. Et avec ses disciples, il va sur une montagne. Et là, dans la prière, au cœur de la prière, il y a un mystère. Il est transfiguré, puisque lorsque les apôtres le découvrent, il est complètement transfiguré, c'est-à-dire rayonnant de lumière. Son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Cette splendeur, Matthieu reprend ici la vision du livre de Daniel. Dans la nuit, au cours d'une vision, moi Daniel, je regardais les trônes,
Les trônes furent déposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête comme la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, jaillissait devant lui. Des milliers le servaient. À cet homme, à qui on a donné toute sa splendeur, cette vision de Daniel trouve sens maintenant dans cet évangile. Le Christ est rayonnant de gloire. La première image qui revient, c'est d'abord l'image de la montagne. Qu'est-ce que c'est que la montagne? Est-ce que dans cette transfiguration, les apôtres vont voir à côté de Jésus Moïse et Élie? Nous savons que ces deux personnages sont liés aussi à la montagne et qu'il y a une merveille qui s'accomplit pour Élie comme pour Moïse, aussi bien la montagne du Sinaï que la montagne de l'Horeb. Alors Jésus, au milieu de tout ça, devient le récapitulatif de tout. Ce qu'on a dû donner, ce qu'on a donné à Moïse, ce qu'on a donné à Élie, se récapitule en Jésus qui vient lui accomplir cela. Alors, la première image, c'est la montagne qui est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et qui en sont les témoins? Jacques, Pierre et Jean. C'est la représentation de l'humanité. Ce peuple-là dans lequel Dieu a pris chair de notre chair. Cette humanité-là, Jésus, rayonnant de splendeur, vient comme pour communiquer la lumière intérieure qui est en lui, pour que l'humanité resplendisse de cette lumière, pour que l'humanité vive de cette grâce. Première chose. Deuxième chose, pourquoi l'humanité va vivre de cette grâce? Et parce que nous savons, quand on lit la finale de l'Évangile, quand Jésus dit, en descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne parler à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Cela présuppose la passion que Jésus va subir. Alors, cette splendeur qui illumine Jésus, c'est pour préparer les disciples à surmonter le scandale de la croix. Mais il faut qu'ils soient remplis de la grâce de Dieu pour être capables de supporter ce scandale et le dépasser. Bien-aimé de Dieu, c'est la grâce du baptême. Nous tous ici rassemblés, nous avons reçu la grâce du baptême. Et normalement, quand le prêtre dit « Michel, désormais tu es choisi, membre de la grande famille des enfants de Dieu, par identification au Christ, tu es prêtre, prophète et roi », nous avons cette splendeur. Mais malheureusement, du fait que notre humanité prend souvent le dessus sur nous, nous n'arrivons pas à surmonter le scandale de la croix, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à dépasser les événements de ce monde. Et cela nous retient toujours captifs. Nous avons du mal à nous départir. C'est-à-dire que nous chantons le Seigneur, nous chantons le nom de Dieu, nous scandons le nom de Dieu, mais notre cœur n'y est pas forcément attaché. Vous, moi, tous ensemble, nous faisons cette expérience-là. Les événements du monde parfois nous écrasent. Parce que parfois nous louons Dieu simplement du bout des lèvres. Mais est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que le Seigneur est le rempart de la vie? Parfois pas. Parfois nous faisons des grands pas en dehors du chemin. Alors, dans la deuxième lecture, dans cette deuxième lettre de Pierre, on nous rappelle, bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dans des récits, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de cette grandeur. Donc, bien-aimés de Dieu, il y a une prière de l'Église qui dit, Seigneur, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, nous aussi. Parfois nous sommes très loin de Dieu, mais c'est vrai que le nom de Jésus nous rassemble, mais nous ne nous limitons pas à ce rassemblement. Soyons maintenant les témoins. Alors Jésus dit aux apôtres, ce que vous avez vu, la gloire de Dieu, voilà la splendeur du Seigneur. Mais pour y parvenir, il faut aller témoigner, c'est-à-dire lorsqu'on a la croix va arriver, comment vous allez vous comporter?
c'est en étant vainqueur du scandale de la croix que vous parviendrez au bonheur du ciel. Comme pour dire, réciter ses prières du matin est une bonne chose. Vivre sa messe tous les jours ou tous les dimanches est une bonne chose. Mais aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, est plus que tout. Scander le nom de Dieu est une bonne chose. Mais malheureusement, parfois ça ne suffit pas. Quand je dis cela, je fais allusion à l'histoire à Kinshasa chez moi, il y a toutes les deux rives, il y a une église. Toutes les deux rives, il y a une église. Les gens prient à longueur de journée. Malheureusement, on n'a jamais vaincu le mal. Malgré toutes les prières qui se disent dans ce pays de 54 millions d'habitants comme ça, on n'arrive pas à vaincre le mal. Parce que le mal, ce n'est pas l'autre, c'est soi-même. Est-ce que j'aime Dieu? Parce que si j'aime Dieu, j'apporte le témoignage d'une action de grâce. Est-ce que ce qui vient de ma bouche est rend grâce à Dieu? Est-ce que ce qui sort de moi suscite un rassemblement? Est-ce que ce qui sort de ma bouche est un accomplissement de la grâce de Dieu? C'est comme le centurion romain. Ce n'est pas parce que nous venons à la messe que les gens verront que nous sommes des bons chrétiens. Non, ce n'est pas à nous de dire que nous sommes des bons chrétiens. C'est ceux qui vont nous voir vivre. Ces anonymes qui nous voient vivre, qui nous voient agir, ce sont ces anonymes-là qui vont témoigner que oui, nous sommes vraiment des chrétiens. Nous, nous avons le devoir d'agir selon la grâce de l'Évangile. Le Seigneur nous aime. Comment témoignons-nous de cet amour? Il nous a obtenu l'adoption filiale. Il a fait de nous des héritiers. Mais comment préparons-nous cet héritage? Dans notre agir quotidien, est-ce que nous sommes le reflet d'un témoignage? Alors, je sais que parfois ce n'est pas facile, mais le psalmiste se dit, le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminent le monde, la terre le vit et s'affoule. Les montagnes fondées comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Et à notre tour, devant la splendeur de Dieu, devant l'immensité de son amour pour nous, comment portons-nous le témoignage que Dieu est amour? Ce n'est pas seulement du bout des lèvres, et je redis encore, c'est dans l'agir quotidien. Alors, bien-aimé de Dieu, pourquoi la grâce du baptême ne nous aide pas encore? Ou encore, pourquoi nous ne réalisons pas encore cette grâce du baptême qui est l'immensité de l'amour de Dieu pour nous? Parce que nous faisons beaucoup de pas en dehors du chemin. En d'autres termes, posons-nous la question, est-ce qu'il y a encore de la place pour Dieu dans notre cœur? Dans notre cœur. Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu? Est-ce que notre cœur n'est pas simplement rempli de notre humanité au point où Dieu, c'est une infime partie et ça ne porte pas de fruit? Parce que le témoignage de l'amour de Dieu, nous n'irons pas le chercher ailleurs. Le témoignage de l'amour de Dieu, c'est nous qui devons le rendre. Demandons au Seigneur la grâce de l'aimer et de vivre de sa grâce. La vie chrétienne n'est pas facile. Comme toute vie, il y a des hauts et des bas, c'est sûr. Mais restons unis au Christ, vivant de cette grâce, vivant de cette merveille, le Seigneur renouvelle en nous sa compassion. Il l'a fait aujourd'hui, ce matin. Nous sommes là, mais ne soyons pas là, simplement parce que nous savons que c'est dimanche et nous sommes à la messe. Mais soyons là, parce que nous venons rendre grâce à Dieu qui donne sens à notre vie. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Mais vivons cela de tout notre cœur. Dieu nous aime, bien-aimés de Dieu. Tel que nous sommes,
Dieu nous aime infiniment, tel que nous sommes. Dieu nous aime. Et nous avions du prix aux yeux de Dieu. Et à notre tour, comment manifestons-nous ce prix dans notre agir quotidien? Quel est le témoignage que nous portons de cette grâce de Dieu pour chacun de nous? Demandons à la Vierge Marie, notre Mère, qu'elle prie pour nous, pour que resplendisse encore en nous cette lumière, cette grâce du baptême, et qu'elle nous fasse vivre davantage pour que nous puissions être transfigurés. Il est important, bien-aimé de Dieu, de comprendre la grâce du baptême, mort et résurrection, mourir à l'homme ancien pour vivre à l'homme nouveau. Je ne peux pas être transfiguré par le Seigneur si je passe mon temps à être une agence publicitaire pour les autres. Un fait m'a été révélé. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce fait? Est-ce que je vais commencer à être une agence publicitaire en informant le monde entier? J'ai surpris une conversation, j'ai surpris un fait. Mais qu'est-ce que je fais si cela n'est pas bon? Le chrétien que je suis est celui qui vient s'agenouiller devant l'autel pour prier. Mon Dieu, devant cette souffrance, que ta gloire se révèle. Seigneur, je demande la transformation de cette personne. Je demande sa conversion. Mais si nous ne prions pas devant des événements difficiles, devant des incompréhensions, si nous ne prions pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous devenons des rapporteurs des faits qui ne nous concernent pas. Mais nous ne pouvons pas être transfigurés en agissant comme ça. Nous sommes loin d'être transfigurés. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est nous. Alors, vivons de cette grâce. Vivons de cet amour et soyons les uns pour les autres les témoins de l'Évangile. Que Marie nous aide et intercède pour nous.